Née dans une famille de musiciens, France Gall se prénomme en réalité Isabelle. Son premier disque sort le jour de ses 16 ans, et le succès est fulgurant. Robert Gall, son père, est un parolier renommé. Il lui écrit ses premiers tubes, comme Sacré Charlemagne. Puis viendra Serge Gainsbourg. À 17 ans, elle remporte grâce à lui le Grand Prix de l'Eurovision. Elle concourt alors pour le Luxembourg avec Poupée de cire. Poupée de son point, le beau Serge se joue de son innocence. Il compose des chansons ambiguës et se délecte de sa candeur. 1,5 million d'exemplaires. France Gall à 27 ans lorsqu'elle rencontre Michel Berger, son grand amour et son alter ego musical. Avec lui, elle va enfin trouver son propre style, son propre swing et enchaîner les tubes. De leur union naîtront deux enfants et cet album. Des chansons romantiques comme Si, Maman Si, d'autres plus rock, à l'instar de Résiste. Sa chanson dédiée à Ella Fitzgerald se vendra à 1,5 million d'exemplaires à travers le monde.